Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont en ligne, bonjour à ceux qui sont ici en présentiel. Très heureux de pouvoir avoir encore une fois un office ensemble. On attend juste un petit peu la technique. Tout en moi veut t'adorer.
Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons vraiment te donner la première place, mettre tous nos soucis de côté. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de nous visiter, de nous fortifier, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Nous voulons te laisser la place encore cet après-midi. Merci, Jésus. Reçois toute la louange. Reçois la louange de nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Ultime fin.
ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oh,
gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres. J'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné, tu débordes. Quand le vin est nouveau,
sincère nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer. Ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, prête-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier. Complète.
tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Tu veux pour ta gloire, alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi. Je la terre entière. Enfin la lumière. Oh, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Seigneur.
captivé par ta présence. Oui, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux je veux tout recommencer. Je ramène mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi. Oh, je veux tout recommencer, je veux à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je me demeurerai à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, oh.
Pendant qu'on était dans la louange, j'ai eu plusieurs choses à cœur, donc je voulais vous les partager. Il y a une femme enceinte qui nous regarde. On a déclaré ton bébé à naître atteint de trisomie 21. Moi, je veux déclarer aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, avec l'autorité qu'il nous a donnée, que ton bébé naîtra parfaitement, en bonne santé, sans aucun handicap. Amen. Ni de trisomie, ni rien. Prends-le dans le nom de Jésus. Jésus va faire un miracle et ce sera un miracle pour toi, pour ta famille, mais aussi pour les médecins qui vont assister à l'accouchement. Il y a aussi une dame qui nous regarde. Je dis ça parce que je ne la vois pas ici. Tu es en fauteuil roulant. Je ne sais pas pourquoi, mais tu dois te faire opérer bientôt au niveau des genoux. Tu as peur. Mais moi, aujourd'hui, je veux que tu prennes avec moi, dans la foi, que maintenant, je te dis, dans le nom de Jésus, tu te lèves. Tu te lèves et tu marches. Jésus est plus puissant que les médecins. Jésus est plus puissant que n'importe quelle opération. Et peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe à quel point tu pourrais remarcher ou pas, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu te dit, lève-toi et marche. Il y a une dernière femme. Récemment, tu as perdu ton travail. Tu es seule pour élever tes enfants. Et tu te demandes comment tu vas pouvoir pourvoir à leurs besoins. Ne t'en fais pas, Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu, Dieu a vu ta situation. Et d'une manière extraordinaire dont tu ne peux imaginer comment, Dieu va intervenir dans ta vie et va te donner les moyens d'élever tes enfants.
ça parle à quelqu'un, une rose rouge? Est-ce que quelqu'un travaille en tant que fleuriste ou quelque chose, ou ça parle à quelqu'un, ça? Une fleur rouge, j'ai une rose dans les en pensée. Non? Personne qui a... Ça parlera à quelqu'un sur le live, cette sensation d'être rejeté, d'être piétiné comme une rose sans valeur. Mais j'ai vraiment ce sentiment, cette parole dans mon cœur, que c'est l'inverse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as vraiment de la valeur. Et telle une rose, telle une belle fleur, Dieu te voit. Dieu veut te voir t'épanouir, veut te voir être heureux, être dans la joie. Peut-être ça parlera sur quelqu'un, pour quelqu'un sur le live. N'hésitez pas à laisser un commentaire et qu'on puisse prier si ça vous touche, si ça vous parle. Thank you.
es saint, élu de Dieu. Est sûr, c'est que Dieu nous aime au-dessus de tout. Nous avons parfois bien du mal à l'aimer. Nous avons bien des fois du mal à respecter notre engagement avec lui. Ce qui est sûr, c'est que Jésus n'a jamais failli à son engagement. Tu m'aimes au-dessus de tout. Tu m'aimes au-dessus de tout. Jésus, tu m'aimes au-dessus de tout. Oh, oh, oh. Tu m'aimes au-dessus de tout. Au-dessus de tout.
Seigneur, je voudrais simplement prier pour que toutes celles et ceux qui sont ici ou qui sont derrière leur écran, qui regarderont ce message en direct ou bien même en différé, je prie pour qu'ils puissent ressentir ton amour, Père, qu'ils puissent être touchés par ton amour et par ta grâce. Seigneur, nous avons besoin. L'être humain a besoin de se sentir aimé, c'est un besoin que nous avons. Je prie, Père, pour que chacun, chacune puisse se sentir aimé. Parce que la réalité, c'est que tu nous aimes. Avec nos défauts, avec nos colères, nos cris, nos paroles méchantes et blessantes. Avec nos efforts pour faire le bien, parfois. Avec nos mensonges. Avec nos infidélités, mais aussi avec le courage que nous mettons parfois au service des autres, l'amour que nous mettons parfois au service des autres. Avec tout ça, Seigneur, tu nous aimes. Malgré tout ça, Seigneur, tu nous aimes. Bien que tu nous aimes. Et je prie pour que chacun puisse ressentir cet amour maintenant. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, faire ressentir l'amour du Père. Viens maintenant. Merci Père, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour la semaine qui arrive. Donc, pour les annonces d'aujourd'hui, c'est un peu pareil que les autres fois, donc c'est des petits rappels. Alors, on va commencer par l'action chauffage. Donc, c'est pour aider une personne de la communauté qui a du mal à se chauffer. Alors, vous pouvez faire vos dons, soit par virement bancaire, les coordonnées sont affichées, ou alors vous pouvez déposer ce que vous avez ici dans la salle, dans le petit rond là. Et alors, on tient à vous annoncer que nous avons déjà récolté 650 euros, donc c'est déjà très bien, vous pouvez vous féliciter. Mais on aimerait atteindre 1000 euros pour faire un chouette don à cette personne. Du coup, on continue l'action et vous pouvez donc toujours donner ce que vous avez à cœur.
donc n'hésitez pas. La suite, les biscuits de Noël que Martine prépare et vend. D'ailleurs, elle est aujourd'hui à un marché de Noël, donc courage à elle. Alors, cette année, comme nouveauté, il y a un cadeau à gagner à chaque fois que 40 grands paquets sont vendus. Les prix vont de 5 à 12 euros, il me semble. Pardon ? Ah non. Et alors, les autres semaines, nous vous annoncions, nous vous demandions d'amener à chaque fois des ingrédients, mais cette fois-ci, on a ce qu'il nous faut. Donc, ne nous en amenez plus, vous pouvez les garder chez vous, on a ce qu'il nous faut, mais vous pouvez toujours les acheter, donc n'hésitez pas. Et donc, c'est pour deux associations, les enfants qui sont placés par le juge, donc ça c'est pour leur offrir un chouette Noël, et aussi pour l'association Le Souffle de Vie, qui vient en aide aux femmes enceintes qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Donc ça c'est très, très important, sinon parfois elles sont contraintes d'arrêter leur grossesse. Alors, dans quel... Voilà. Alors, le culte de Noël aura lieu le 26 décembre. Donc, préparez-vous. À cette occasion, nous chanterons donc des chants de Noël bien typiques. Il y aura un message qui sera annoncé par notre pasteur Miguel. Et aussi, à la fin du culte, normalement, il y aura un petit goûter, cougnole et cacao. Donc, voilà, soyez présents. Alors, en début d'année, pour bien commencer l'année 2022, nous organisons un repas tous ensemble qui aura lieu le 8 janvier. Si vous voulez vous inscrire, faites-le auprès de Dolores. Et enfin, nous vous rappelons aussi la retraite des familles qui aura lieu du 25 au 27 février. Ce sera le début des vacances de carnaval, donc normalement les enfants sont disponibles. Et donc, qui dit famille dit que les enfants sont les bienvenus, ainsi que leurs parents, et aussi ceux qui sont célibataires, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser auprès de Déborah pour plus d'informations et également pour vous inscrire. C'est tout. Maintenant, je laisse la parole à Ismaël, qui est je ne sais où. Il va arriver... dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. C'est un écran vert pour tout le monde ou juste pour nous ? Donc voilà, on va avoir pasteur Isma qui va partager un message. Je rappelle à ceux et celles qui le désirent, on a des réunions de prière dans la semaine. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez participer à nos rassemblements de prière qui sont les mardis soirs à 19h. Donc, prière, c'est-à-dire qu'on chante, qu'on prend un moment vraiment pour prier ensemble dans la plus grande des simplicités, mais avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'entrain. Donc, ça, c'est le mardi. Tous les mardis, ouais. Tous les mardis. Les aléas de la technique. Voilà. Je laisse la passe à Isma. Mets-la. Si. Vous entendez ? Coucou. On entend bien, oui. Ça va ? Ah oui, maintenant on entend. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Oui. Pas trop, hein ? Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous avez passé un bon moment dans la louange ou pas ? Amen. Amen, gloire à Dieu.
Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, on va continuer sur cette thématique de l'armure de Dieu. Si on a le verset, on peut l'afficher. C'est Éphésiens 6. Ah, mon Dieu. Voilà. On va le relire à partir du verset 10. Hein. Donc, Éphésiens 6, verset 10. Voilà. Pour conclure, puissiez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Dans ma version italienne, il dit « Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de l'entière » il y a un adjectif en plus, de l'entière armure de Dieu pour pouvoir lutter contre le jour mauvais. La parole de Dieu ici, il dit l'entière armure. OK ? Il ne dit pas, revêtez-vous seulement d'une partie de l'armure de Dieu. OK ? Il dit de l'entière. Ma version à moi, il dit l'entière armure de Dieu. Pasteur Miguel a parlé de la ceinture, le premier épisode. Et après, Pasteur André, ceci, il a parlé du casque, je pense. C'est ça, hein? OK. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une autre partie de l'armure. Enfin, j'ai pris un truc, je ne sais pas. On va essayer, hein? Le bouclier. Hein? Bouclier et l'épée. Voilà. C'est ça, Emma, ça, hein? Mais... Ah, en plus, il fait la petite musique. Voilà. Hein? On va parler de choses très importantes. OK? Ça peut être rigolo, mais ils ont beaucoup de signification dans notre vie de tous les jours. Enfin, c'est un truc de marmite, là. Hein, Dolores? On peut faire la soupe avec ça. Et ça protège. Le chrétien, l'apôtre Paul, nous invite vraiment à nous revêtir de l'entière armure de Dieu. OK? Et aujourd'hui, on va parler de le bouclier et de l'épée. OK? Est-ce que quelqu'un de vous sait... Il fait du bruit. Est-ce que quelqu'un sait entre de vous qu'est-ce que ça représente, le bouclier? Voilà. Qui a dit la foi? La foi? La foi? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la foi? Hein? Avec vos paroles, hein? C'est là? La confiance. Est-ce qu'il y a d'autres mots? S'attacher. La foi. Croire en Dieu. Dans ce cas-là, en Dieu, en Jésus. Notre croyance, elle est en Jésus. Amen. C'est celui qui vraiment nous donne de quoi nous protéger, de quoi pouvoir attaquer, de quoi pouvoir espérer, de quoi pouvoir annoncer la parole de l'Évangile
d'avoir aussi la ceinture de la vérité. Si c'est partie de l'armure, un vrai soldat en a besoin. Ok ? Est-ce que vous connaissez un soldat qui va en guerre ? Peut-être il a tout, mais sauf le bouclier. Est-ce que peut-il aller en guerre ? Il peut avoir une épée, il peut avoir la ceinture, comme il dit la parole, il peut avoir les chaussures de l'évangile, il peut avoir le casque. Est-ce qu'il peut aller en guerre sans le bouclier ? Comment va-t-il se protéger des attaques de l'ennemi ? Quand l'ennemi va frapper de toute sa force et nous sommes là, sans bouclier, est-ce que nous pouvons tenir le coup ? Non. La parole de Dieu dit, faites attention vraiment à cette parole. On est bien d'accord qu'il dit, revêtez-vous de l'entière armure de Dieu. Il ne dit pas de certaines parties. Ah, mais moi, je suis plus dans cette partie, je ressens plus. Non, un vrai guerrier doit être comblé. Comblé dans tous les sens. Ok ? Un vrai guerrier, quand on fait face à l'ennemi, doit être revêtu de l'entière armure de Dieu. Ok ? Amen. Mais pourquoi Dieu nous appelle à avoir cette armure ? C'est pour pouvoir résister et faire face à qui ? À toute puissance démoniaque qui se lance contre de nous. Vous savez, et aussi, il dit de pouvoir résister dans le jour mauvais. En italien, on dit malvagio. Le jour mauvais. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. C'est vrai ou pas ? Ce qu'on entend, c'est des flèches de l'ennemi qu'ils essayent de nous atteindre, d'atteindre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend à la télé, les médias, la peur que nous avons, enfin, qu'ils essayent de nous faire avoir, hein? Les médias, toutes ces maladies, des carestis, des contaminations et tout ça évolue pour nous détruire. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a beaucoup d'entre nous qui se trouvent en guerre et des fois ne tiennent pas le bouclier de la foi. Vous savez, le jour où je parlais avec Miguel, le pasteur Miguel, on disait, tu sais, lui parlait de la ceinture de la vérité, n'est-ce pas ? Il disait, la ceinture de la vérité, c'est Jésus. Amen. Mais je peux vous dire aussi que le bouclier de la foi, c'est Jésus aussi. Je peux vous dire que l'épée, que c'est la parole de la vérité, c'est Jésus aussi. Je peux vous dire que l'évangile, les chaussures qui nous ramènent à annoncer la bonne parole, c'est Jésus aussi. On annonce la bonne parole de Jésus, n'est-ce pas ? Le salut, le casque que nous mettons pour aller en guerre, pour se faire, parce que vous savez, le salut, hein, le casque c'est le salut, hein. Si on doute seulement d'un moment de notre salut, hein, quand ça nous arrive le coup en tête, c'est un coup mortel. Parce qu'on doute de notre salut. Okay? Et notre salut, c'est qui ? C'est Jésus. Donc toute l'armure de Dieu porte à Jésus, n'est-ce pas ? La foi, c'est ce bouclier-là. Restez donc ferme en ayant la ceinture et tout ça, mais aussi, surtout, il dit ici, le bouclier de la foi, afin que vous pouvez éteindre toutes les flèches du malin. On va parler un peu des détails de ce bouclier. Ok ? Je réfléchissais sur beaucoup de choses. Donc, on est bien d'accord que le bouclier, c'est Jésus. Ok ? Quand l'ennemi il essaie de nous attaquer, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu ? On se prend des attaques de l'ennemi. Quand toutes les flèches ils arrivent de l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait ? On se protège. Okay ? On fait résistance. L'ennemi, il nous attaque pour quelle raison ? Pour nous détruire, pour nous faire perdre la foi, pour nous faire perdre le courage, pour nous faire perdre espoir. Chaque flèche que Satan te lance,
C'est une flèche d'un accusement. Ça se dit accusement ? Accusation, pardon. Je suis italien. Hein. J'essaie de traduire des fois des mots. C'est bien. Hein. Comment accusation alors ? Accusation. Ouais, tu ne sers à rien. Combien de fois on a entendu ça dans la vie ? Ouais, tu sais que tu pries. De toute façon, ça ne sert à rien de prier et tu ne le donneras jamais. Et nous, on l'apprend. Si on n'a pas le bouclier, on prend ce genre de flèche. Ouais, tu es malade, ça ne sert à rien, tu ne seras jamais guéri parce que Dieu n'a pas le temps de t'écouter. Ouais, ce que tu crois ne vient pas de toi, ne vient pas de Dieu, c'est de ta chair. Une autre flèche sur ta vie. Ouais, tu pries, tu crois en Jésus, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Une autre flèche. Si nous ne sommes pas ancrés, si nous ne sommes pas attachés à la foi, toutes ces flèches, on ramasse en plein la tronche. Et on peut mourir. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, surtout, prenez garde à avoir le bouclier de la foi. Quand l'ennemi t'attaque, quand je dis l'ennemi, c'est le monde, les problèmes de ce monde, les démons aussi, la nuit tu dors pas, tu es dérangé, tu as des problèmes sans arrêt, toujours un après l'autre. Ne pense pas que ces choses-là sont voulues de Dieu, non. Dieu ne te détruit personne. Okay? C'est la vie même des fois, hein, ou bien souvent, c'est le monde même, c'est le diable même, les puissances des ténèbres même, que jour et nuit essayent de détruire ta vie, ta famille, ta vie spirituelle, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais l'ennemi, il lance sans arrêt des flèches. Il lance sans arrêt des flèches pour essayer d'atteindre le peuple de Dieu. Nous sommes, nous, le peuple de Dieu. Mais Jésus nous donne une garantie, la foi. Quand l'ennemi lance ses flèches, les démons s'acharnent vers ta vie. Lève toujours ton bouclier de la foi. Et tu dis, moi je crois en Jésus. Tout ce qui m'arrive, je suis protégé par la grâce et le sang de Jésus. Rien pourra m'atteindre. Aucune arme fabriquée de main d'homme pourra m'atteindre. Aucune arme fabriquée de main d'homme, et aussi de diable, pourra m'atteindre car j'ai la foi en Jésus. Ok? Il y a certains chrétiens qui, ce bouclier, il y en a qui ont des boucliers en carton. Il y en a qui ont des boucliers en bois. Et il y en a qui ont des boucliers en fer. Vous en doutez, carton, bois, fer, c'est pas la même chose. Hein? Je connais beaucoup de chrétiens dans leur vie. Et quand ils passent des moments difficiles, quand l'être humain, des fois, il passe des moments difficiles, oui, on lève un bouclier pour se protéger, mais l'alliage, est-ce qu'il est le bon ou pas? Est-ce qu'il est solide comme le fer, l'acier ou pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, quand il y a des problèmes dans notre vie, on essaye de lever le bouclier. Je parle de celui en carton. Hein. Combien temps peut résister des flèches de feu de l'ennemi, à votre avis? Peut-être une, même pas. Parce que quand, même pas il résiste, parce qu'en carton, quand la flèche il arrive, pénètre le bouclier et il t'atteint. Qu'est-ce que ça peut signifier se protéger avec un bouclier en carton? Le Seigneur me faisait réfléchir beaucoup sur ça. Je dis, Seigneur, tiens, les gens qui essayent de se protéger avec leurs propres moyens, avec leurs propres forces, leur propre intelligence. Ça, c'est des cartons, ça, c'est des boucliers en carton. Qui ne met pas en valeur Jésus devant leur vie. Dis, ah, tiens, j'ai un problème, j'essaie de le résoudre par mes propres forces. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Avec votre propre force, vous n'irez nulle part. Sans moi, disait Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ça, c'est des gens
qu'ils essayent de se défendre avec leur propre force, leur propre moyen. Et quand il y a l'attaque de l'ennemi, ils essayent de mettre en valeur toutes leurs connaissances, toutes leurs forces, tout leur savoir-faire. Mais l'ennemi rigole de toi. Parce que l'ennemi, quand il voit ton bouclier en carton, évidemment, il va rigoler. Parce qu'il dit, « Ah, celui-là, il n'a rien compris. Il ne met pas Jésus devant sa vie. Je vais l'atteindre. » Amen. C'est important se protéger, faire face à l'ennemi en mettant en valeur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi d'autres gens qui quand ils sont en guerre, peuvent lever un bouclier de bois, deuxième bouclier. Le bois peut être solide, oui et non. Ok? On va dire qu'il va résister certains coups. Hein? Quand l'ennemi te frappe sans arrêt, il prend l'épée sur le bouclier, bam, bam. Toujours pas, il essaie de détruire parce qu'il te veut mort. Il veut que ta vie soit détruite, bam, bam. Et tout ça. Et tu mets un bouclier de bois. Combien de temps il va résister? Peut-être 3, 4, 5, 6, 10 coups. Mais après, il se brise. Et quand l'ennemi voit qu'il y a un brisement dans ta vie, lui rentre avec l'épée et donne le coup de grâce. Hein? Lui rentre dans ta tête parce que la foi elle est là. Quand lui voit que ta barrière, tu ne sais plus te protéger, il va te donner le coup de grâce. Ça, c'est des gens qui mettent à la fois Dieu et à la fois leur propre force. Quand ça leur convient, ils mettent le nom de Jésus. Quand ça ne leur convient pas, ils ne mettent pas le nom de Jésus. Et ce bouclier n'est pas solide. Ok, dit, ouais, je crois en Jésus. Boum, le premier coup. Ouais, je crois en Jésus, ne t'inquiète pas. Boum, deuxième coup. Et quand les coups deviennent répétitifs, tu commences à douter si Jésus il est là vraiment ou pas. Hein? Tu commences à perdre foi. Tu commences vraiment, cette foi, il diminue tout doucement. Alors ce bouclier d'acier se transforme en bois. Ou en voir en carton. Ok? Notre vie, c'est une lotte continue. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? À cause de mon nom, vous serez persécutés. À cause de mon nom, vous traîneront au tribunal. À cause de mon nom, vous recevrez des coups. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Mais fortifiez-vous les uns et les autres. Fortifiez-vous en mon nom, dit Jésus. Alléluia. Quand il y a des problèmes qui se présentent dans ta vie, lève ce bouclier. Mais pas en bois, mais pas en carton. Un bouclier en acier. Celui vraiment qui te protégera des coups de l'ennemi. Ok? Mets en valeur Jésus quand les problèmes ils sont là. Dis, je crois en Jésus. L'ennemi dit, ouais, non, c'est pas possible. Tu pries et il n'y a rien qui se passe. Faux! Faux! Parce que Jésus m'a enseigné que toute chose que vous croirez en mon nom, je vous le donnerai. Bam! Parce que tu as foi en Dieu. Ouais, regarde, tu es en train de passer le feu, tu es en train de brûler par les épreuves, te dit l'ennemi. Feu, tu mets faux. Tu mets le bouclier parce que Jésus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Même si tu passeras le feu en Isaïe, tu ne seras point brûlé. Car je suis avec toi, te dit le Seigneur. Vous voyez la parole de Dieu? Qui sait l'épée. Vous voyez un soldat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas seulement recevoir des coups, mais il doit aussi contre-attaquer. Il y a beaucoup d'entre nous qui reçoivent des coups sans arrêt, mais ils n'osent pas attaquer l'ennemi, ils n'osent pas faire face, ils n'osent pas prendre l'autorité que Jésus nous a donnée, frères et sœurs. La parole qui représente l'épée, deuxième point qu'on va parler, c'est celle-là qui te portera à gagner dans la guerre. Amen. C'est celle-là qui t'apportera à avoir la victoire dans ta vie. Seigneur, ma vie est détruite. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai plein de problèmes. Je me protège, je te fais confiance. J'essaie de résister dans le jour mauvais. J'essaie de résister à tous les coups que Satan m'inflige. Mais en même temps, je ne veux pas recevoir des coups. Je vais attaquer par la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs.
réagir. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est les guerriers qui vont acquérir le royaume. Hein ? Le royaume des cieux. C'est les violents, les guerriers qui vont se. Qui vont acquérir, conquérir le royaume de Dieu, le royaume du ciel, le prendre à eux-mêmes. Ça, c'est à moi. J'ai lutté, j'ai mis la foi en avance, j'ai mis la parole de Dieu en avance, j'ai attaqué, je me suis défendu, j'ai attaqué. Vous savez qu'est-ce qui fait trembler l'ennemi ? Hein ? Vous savez qu'est-ce qui fait trembler l'ennemi ? Ça, on le sait d'office. Des fois, dans la vie, l'ennemi nous voit et de loin, il commence à crier et trembler. On a eu le cas. Hein ? Et des fois, il nous voit de près et il se met à rigoler. Tiens, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui fait trembler l'ennemi ? Qui a dit autorité ? C'est Déborah ? Déborah, t'es la meilleure, Déborah. Tchou. Qui s'est fait arrêter par la police ? Lève la main. Enfin, contrôle, machin, tout ça. Pas arrêté, vous êtes des dealers, hein, pas ça. Hein. Qui, un simple contrôle de voiture, ou bien, tu vois. Lève la main, un peu tout le monde, hein ? Je sais pas, enfin, dites-moi. Quand vous voyez un policier qui lève sa palette, là, allez, oh. On a un peu, hein, parce qu'on commence à se... On tremble, on dit, oh, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Alors, monsieur, papier, alors, on commence à trembler, les mains, ils nous tremblent. Oui, 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 tout de suite, tout de suite. Il n'a rien dit, monsieur. Jusqu'au papier de la voiture, contrôle technique, enfin, tout, assurance. On commence, oui, oui. Vous avez remarqué qu'on a un ton calme, on n'essaye pas de s'énerver, vrai, c'est vrai ou pas ? Non, pas trop. Vous disputez avec les policiers ? Bien sûr. C'est vrai ou pas ? Oui, oui, monsieur, bien sûr. Pourquoi on est ainsi tout calmos, tout, hein ? Parce qu'on reconnaît l'autorité que cet homme porte. Ok ? Dans ce cas, un policier, un officier, un colonel, peu importe. On reconnaît. Même si on le voit de loin, on reconnaît ou pas ? Pourquoi on le reconnaît ? Parce qu'il porte l'uniforme adéquat de sa catégorie. Ah, celui-là, c'est un officier. Ah, celui-là, c'est un colonel. Même d'un kilomètre, on le voit qu'il est habillé en colonel, en officier, en policier, peu importe. On reconnaît l'autorité que cet homme a. Le diable... Quand il nous voit, est-ce qu'il voit l'uniforme de Jésus en nous entièrement ou pas ? On parlait ça mardi au moment de prière. L'autorité que Dieu nous donne. Est-ce qu'on s'en sert ? Est-ce qu'on la prend en main pour faire face à l'ennemi ? Pour faire face quand on est en guerre, ou bien on la met sur le moment dans notre poche, et c'est tout. Si vous voyez un policier habillé à moitié, ici c'est voilà, l'uniforme de main, et ici c'est en calbar, avec les fleurs, les tongs, la première chose que vous pensez de lui, c'est quoi ? Un fou, un rigolo, c'est pas un policier. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Peut-être il n'est pas, peut-être oui. Oh, peut-être il est vraiment policier, mais en le voyant comme ça, vraiment avec un maillot de bain, mais au-dessus, tout habillé, ça ne m'inspire pas trop confiance. Ou bien ça ne me donne pas trop envie de me soumettre à lui. Si le diable me voit entièrement habillé de l'armure de Dieu, sauf l'épée, est-ce qu'il va m'attaquer ? Il va trembler devant moi ou pas ? Donc, j'ai tout sauf l'épée. Est-ce que lui, il va trembler devant moi ou pas ? Si ou non ? Pourquoi ?
il voit que j'ai une faille. Il me manque quelque chose. Dans ce cas-là, l'épée. Et c'est vice-versa, j'ai tout sauf le bouclier. Est-ce que l'ennemi va trembler devant moi ou pas? Quand tu es en guerre et tu vois un soldat en face de toi qui lui manque un bouclier, est-ce que tu ne te prends pas de courage? Dire, ouh, celui-là, je veux l'avoir. Oui, il a le reste, mais quand je vais donner mes coups, il va se protéger comment? C'est vrai ou pas? Il n'a pas de bouclier quand il reçoit les coups. Faites attention à ça. L'ennemi, il est très malin. Il nous attaque sans arrêt. Et malheureusement, il y en a entre nous qui tombent au combat de l'ennemi. C'est triste de dire ça, frères et sœurs, mais c'est la vérité. Combien d'entre nous nous faisons atteindre par l'ennemi? Quand lui lance des flèches de feu, quand il nous donne des coups de bâton, des coups de pied, il y a toute l'armée qui vient contre nous. Hein? Des fois, on tombe. Parce que l'ennemi, il ne voit pas l'entièreté de l'autorité en nous. Ok? Aujourd'hui, je désire, comme Jésus le désire, que nous soyons habillés de l'entièreté, de l'entière armure de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'aller en guerre s'il te manque une seule pièce de l'armure. Ça ne sert à rien. Tu ne gagneras jamais. Jésus, il est en toi à 100%. Si Jésus, il est en toi à 100%, alors tu auras l'autorité. Et si tu auras l'autorité, tu gagneras dans le nom de Jésus. Amen. J'ai appris à me battre dans la vie spirituelle. J'ai dit, Seigneur, quand je veux quelque chose, je veux me la chercher. Je veux la demander, mais je veux la chercher. Je me lève au matin et je dis, Seigneur, combien je dois payer? Combien de soldats démoniaques je dois tuer pour avoir cette faveur? Vous savez que quand on prie, on intercède, il y a l'armée de l'ennemi qui bouge. Hein? On peut adorer. Gloire à Dieu. On peut donner la louange à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand on intercède, l'intercession c'est un combat. Qui s'y souvient de Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Il priait combien de fois par jour vers Israël? Combien de fois il priait? Quelqu'un le sait? Combien? Trois. Et est-ce que Daniel il disait, Seigneur je te prie, merci, gloire à Dieu, tu es puissant, alléluia, Seigneur, ouh, Jesus. Ou bien, à ce moment-là, Daniel, il prie dans une autre façon. Il prie, Seigneur, j'ouvre ma porte vers Israël. Je bénis Israël, tu vas le sauver de l'esclavage. Seigneur, je veux que ta main puissante, les anges descendent pour délivrer le peuple de Dieu. On est esclaves. Plein de fois, Israël est esclave des Babyloniens, des Assyriens, des Égyptiens. L'histoire. Hein? Quand tu intercèdes, tu intercèdes, tu te mets droit là dans le champ de bataille avec toute l'entière armure de Dieu. Ok, quand tu intercèdes pour tes enfants, tu dis Seigneur, tu vas me sauver les enfants. J'ai évangélisé cette semaine des gens. Hein. J'en ai évangélisé 4, 5, 6, 6, ouais, 6. Je les ai évangélisés. Ils ont été touchés, ils ont pleuré et je les ai invités. Personne n'est venu. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, la parole que j'ai mise dans leur cœur, j'ai foi en toi. J'ai annoncé avec parole, avec l'épée. L'épée, c'est une double, comment on dit, c'est une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Vraiment, la parole de Dieu, quand tu attaques avec la parole de Dieu, rentre dans le cœur des autres, non? Et moi, j'ai attaqué avec la parole de Dieu. Jésus t'aime. Jésus peut te délivrer de tes problèmes. Jésus est là pour te donner la vie et la vie en abondance. Amen. Et cette parole part comme l'épée. Pam, tu donnes un coup. Tu brises les barrières du cœur. Et la parole de Dieu rentre dans les cœurs pour apporter son fruit. Et je les ai invités aujourd'hui à venir à l'église. Personne n'est venu. Je fais ma part. Ok?
Et j'ai prié avec conviction, j'ai dit, Seigneur, tu vas me les ramener aussi. Parce que mon désir, c'est vraiment d'arracher les âmes qui vivent sur les empreintes du diable, vraiment d'apporter la bonne parole, comme il dit la parole de Dieu, d'apporter la bonne nouvelle aux captifs et de les ramener des ténèbres à la lumière. Wow. C'est proclamer la foi. Le bouclier, ouais, Seigneur, je crois en toi. Et j'ai dit, même mon Seigneur, tu vas me les ramener. Hein. J'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, je veux les voir dimanche, personne. Peut-être. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus. Amen. Ça me fait plaisir qu'il serait été là, serait écouté les témoignages, la louange, la prédication, et ensuite, et ensuite, ensuite. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai ressenti dans l'esprit ? Qu'il y a eu quelqu'un, hein, qui a dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire Ismaël ? Il essaye de m'inviter des gens à l'église qui m'appartiennent. Ben, je vais rester moi croisé, je vais le laisser faire. Est-ce que Satan a fait ça ? Je ressentais des oppositions dans l'esprit. Comme si lui mettait tous les empêchements de ne pas le faire venir ici. Vous avez déjà eu ça dans votre vie, frères et sœurs ? Quand vous priez pour quelque chose, il y a des combats qui se mettent en route. Vous avez déjà eu ça ? Non ? Si ? Ne me laissez pas tout seul, hein. Sinon j'arrête. Daniel, combien de temps il a dû attendre pour pouvoir la réponse de Dieu ? Combien de jours ? Vous êtes bien préparé, hein? Est-ce que Dieu, il ne pouvait pas donner la réponse tout de suite à Daniel quand il priait pour Israël? Qu'est-ce qu'il dit l'histoire? Qu'il y a quelqu'un qui... Il s'est mis au milieu entre Daniel et l'ange. C'était Satan qui s'est mis au milieu parce qu'il ne voulait pas... Parce que Dieu avait donné déjà la réponse. Mais ça a duré 21 jours. Parce que 21 jours, Satan a lutté l'archange Michael. 21 jours de bagarre. Pam, pam, coup de pied, des coups d'épée. La bagarre totale, la guerre totale. À la fin, Daniel, il a eu sa réponse. Mais après 21 jours. Ne croyez pas que vous priez au nom de Jésus tout de suite, ta-ta-ta, ta-ta-ta, et tout est résolu. Nous devons combattre, frères et sœurs. Chers amis qui vous écoutez pour la première fois, nous devons combattre. Si l'ennemi s'oppose, gloire à Dieu, parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Dieu veut cette chose-là. Mais l'ennemi ne veut pas. J'allais m'en douter qu'il n'allait pas venir, mais ce n'est pas grave. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Jésus. Je sais que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce que j'ai semé, je le récolterai. Amen. C'est mon frère et soeur. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Mais pas en carton, mais pas en bois. Notre foi doit s'enraciner en Jésus-Christ. Notre foi doit représenter Jésus. Alléluia. L'épée, quand vous allez attaquer, ne recevez pas seulement dans la vie et vous n'attaquez pas. Tu reçois et t'attaques, tu reçois et t'attaques, tu reçois et t'attaques. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Résistez à l'ennemi, priez, résistez au diable et lui-même fuira loin de vous. Jacques 4, 7, qu'est-ce qu'il dit ? Priez, résistez au diable, résistez, ça veut dire quoi ? Oh non, attends, j'ai peur. Le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur du combat. C'est l'ennemi qui tremble devant nous, pas nous devant l'ennemi. Quand le diable voit l'autorité en nous, l'entièreté, l'uniforme complète, lui, il tremble, dit la parole de Dieu. Les démons tremblent. Il y a deux amens, hein. On est en chômage ici. Amen ou pas ? L'ennemi tremble quand il voit l'autorité en toi, quand il voit l'entière armure de Dieu, quand tu lèves l'épée, lui, il tremble. Il fait pipi dessus. Il dit, ah ! Lui, il est puissant, lui, il représente réellement l'autorité de Jésus. Laissons-nous tranquilles.
La parole de Dieu, que les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, tremblent. Et pourquoi nous, des fois, on proclame le nom de Jésus et l'ennemi, il se moque de nous? Et pourquoi nous, quand on proclame le nom de Jésus, l'ennemi rigole de nous, l'ennemi nous frappe? Et par contre, on proclame le nom de Jésus. C'est parce qu'il y a une défaillance dans notre vie, dans notre armure. Il nous manque peut-être quelque chose. Une partie de l'armure, peut-être, il nous manque. Peut-être les chaussures, peut-être le salut. Est-ce que tu sais que ton salut, il est en Jésus? Amen. Alors je mets le casque. Est-ce que tu sais que tu peux attaquer et tu peux faire face à l'ennemi et tu peux apporter des coups seulement en ayant la parole de la vérité? C'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Amen. Donc je prends l'épée. Est-ce que tu crois que l'ennemi, quand il va te frapper, il va te lancer des flèches toutes les minutes pour t'atteindre? Tu vas lever le bouclier de la foi et tu dis, je me protège en Jésus, je mets Jésus devant moi. Est-ce que tu crois celui-là? Alors tu mets aussi le bouclier. Est-ce que tu crois que la ceinture, c'est la vérité? Oui, amen. Est-ce que tu crois que j'ai besoin des chaussures pour aller en guerre, pour pouvoir marcher, annoncer la bonne parole, la parole de l'évangile? Oui, je crois. Et alors tu mets ça aussi. Là, tu es au complet. L'ennemi tremble. Parce que tu as l'entièreté de Jésus en toi. Ça, c'est le secret de vos prières. Ne confondez pas louange, adoration et intercession. C'est rien à voir. Il y a plusieurs sortes de prières, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des prières de louange, il y a l'adoration, il y a l'intercession, il y a le remerciement. Je vous explique que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la guerre, l'armure de Dieu, c'est l'intercession. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Tu veux que ta vie aille mieux? Jésus, ce soir, il est là pour toi. Tu veux que tes problèmes se brisent dans le nom de Jésus? Habille-toi de l'entière armure de Dieu. Va sur le champ de bataille et fais-le voir à qui tu appartiens. Fais-le voir de qui tu viens. Je viens de la part de l'Éternel. Alléluia. Ne te laisse pas écraser par les problèmes. N'oublie pas que même si tu passeras le feu, tu ne seras pas brûlé, car Jésus, il est avec toi. Même si les eaux, ils vont te submerger, tu ne seras pas noyé, dit la parole de Dieu. Aucune arme fabriquée de main d'homme pourrait t'atteindre. C'est toutes des promesses que Jésus nous fait pour aller de l'avance, n'est-ce pas? Alors prenons ces promesses. La parole de Dieu, c'est l'épée. Et avec l'épée, nous pouvons aller toucher, briser le problème. Avec l'épée, c'est la parole de Dieu. N'essayez pas de frapper l'ennemi avec une épée de carton. Ça ne lui refait rien du tout. L'épée de carton, c'est quoi? D'attaquer avec ta propre intelligence, tes propres stratégies. D'attaquer avec tes propres moyens, tes propres... Hein? Ça va se plier, cette épée. Jésus, tu dis, attaque avec la bonne épée. Celle en métal, là, celle-là. OK? Jusque-là, vous avez compris, frères et sœurs, ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis quelqu'un que je parle vrai et sincère. Si j'ai choisi de servir Dieu dans ma vie, ce n'est pas pour me moquer de lui, ou ce n'est pas pour venir au dimanche, parce que Dieu me dit de venir au dimanche, ou parce que je dois voir ma sœur Zélie ou mon frère Lucas, n'importe quoi. Si j'ai choisi d'être chrétien, c'est parce que je lui fais une promesse. Et je lui dis, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire et je le ferai. Est-ce que nous marchons avec cette optique de choses? De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Je t'ai appelé à délivrer les captifs, et bien j'irai. Je t'ai appelé à annoncer la bonne nouvelle. Ça, par contre, je n'ai pas le temps. Je t'ai appelé à faire face à l'ennemi, mais j'ai peur de lui. Combien de fois, hein? Des fois, on raisonne comme ça. Tu
tu vois l'ennemi, c'est toi qui trembles. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se gonfle. Il se gonfle. Parce que l'ennemi, quand il voit la peur en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il se gonfle. Et il t'écrase. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous fasse? Est-ce que vous avez un désir ou pas? Mon désir, c'est de servir Dieu avec toutes mes forces, toutes mes pensées, toute mon âme, tout mon cœur. D'aimer mon prochain comme moi-même. En faisant ainsi, j'accomplis la volonté de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous battre. Aujourd'hui, s'il te manque une partie de l'armure, demande-la à Dieu. Seigneur, je suis trop timide pour pouvoir apporter des coups, pour pouvoir attaquer avec ta parole. Je suis timide, je ne suis pas capable d'annoncer la parole, de prendre cette épée et de dire que Jésus t'aime. Je ne suis pas capable. Seigneur, donne-moi le courage de pouvoir porter l'épée dans ma main, et pas une épée en carton, pas une épée en plastique, une épée qui quand il coupe des deux sens. Une épée qui quand il annonce une chose, arrive. Alléluia. L'épée est la parole de Dieu. Faut abattre l'ennemi avec la parole de Dieu. Comment? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Il a été tenté. Qu'est-ce qu'il a dit Satan? Si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Qu'est-ce qu'il a dit encore Satan? Si tu as faim, dis à ces pierres qui se transforme et devient des pains. Satan, il n'a pas dit des mensonges, il a dit la vérité à ce moment-là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que procède de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous voyez Jésus comme attaque le diable avec la parole? Ne croyez pas d'avoir une épée et d'être sanguinaire. Hein? Non. Quand on attaque l'ennemi, on l'attaque avec la parole. Il est écrit. Toi, tu me dis que, voilà, Dieu m'a abandonné. C'est faux. Je ne vous abandonnerai jamais, dit le Seigneur. Il écrit dans sa parole et t'attaque. Ouais, garde ta situation, t'es en train de brûler, t'as plus de sous, t'as plus de pain. C'est faux, j'ai jamais vu le juste mendier le pain, dit le Seigneur. Et tu te défends, t'attaques avec la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je suis malade. Ah, t'as vu, t'es malade, Dieu t'écoute pas, tu pries sans arrêt, Dieu te guérit pas. C'est faux. Le Seigneur, il dit, toutes choses que me vous demandez, si vous avez la foi, je vous guérirai dans le nom de Jésus, alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous êtes là? Attaquez avec la parole de Dieu. Ma vie, ça ne va pas. Seigneur, je te mets tout ça dans ta main. Qu'est-ce qu'il dit ta parole? Médite ce livre-là, le livre, la Bible. Médite ce livre jour et nuit. En essayant de mettre en pratique tout ce qu'il est écrit dedans. Seulement comme ça, tu prospéreras, te dit le Seigneur. Quand tu ne sais pas quoi faire dans la vie, lis la parole de Dieu, que c'est l'épée. La parole de Dieu te rend mature et te fait mûrir. Et quand l'ennemi se présente avec des accusations, tu peux réattaquer, dis non, la parole dit ça. N'essaye pas de gagner ta guerre avec tes propres intelligences, tes propres forces, frères et sœurs. Mais gagne la guerre avec la parole de Dieu, l'épée. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu arrive jusqu'au profond de ton cœur. Ça vous arrive vraiment que des fois, Dieu ne parle et ça nous touche profondément nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Juste une parole. Ma fille, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrivait ça. Vous avez déjà eu ces sentiments, frères et sœurs. Quand Dieu te parle, tout petit, petit, petit. Et ça touche vraiment ton petit cœur. Direct. Et qu'est-ce qu'il a dit simplement Dieu? Une parole. Mon fils, je te bénirai. Mon fils, je te guérirai. Gloire à Dieu. Jesus. Oui, s'il vous plaît. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un... Où est-ce qu'il est, Miguel? Qui sait jouer un peu le piano pour faire un petit fond? Ou bien Andrés, oui, c'est vrai, Andrés, où est-ce qu'il est? Ah, ils ont tous... C'est bien. Alléluia. Frères et sœurs, soyez honnêtes avec moi. Est-ce que ça vous touche, ce que je vous dis? Levez la main. Est-ce que ça vous touche? Est-ce qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons saisir la victoire ou pas? Amen. Nous désirons faire face à l'ennemi. Moi, je désire. Et je prouve un... Comment on dit? J'ai de la haine contre l'ennemi. La haine, quand je le vois, j'ai envie de le tuer. Je ne peux pas, mais j'ai envie de le tuer. Haïssez le mal, disait Jésus. Haïssez le mal. Oh, Jesus. Et si ce soir, je ne vais pas porter un jugement parce que je suis pas parfait. Peut-être je suis plus pécheur que toi. Peut-être je suis plus faible que toi. Mais il y a des points clés dans la vie. Si tu n'as pas la clé, tu ne sais pas ouvrir la porte. C'est une logique. Si tu veux gagner l'ennemi, si tu veux gagner que ta situation s'améliore dans ta vie, fais-lui voir à l'ennemi qui était en uniforme. Fais-lui voir à l'ennemi qui en toi coule le sang de Jésus. Fais-lui voir que tu es complet. Fais-lui voir que tu as le bouclier de la foi. Fais-lui voir que tu as l'épée. Fais-lui voir que tu es prêt à courir pour annoncer l'évangile. Fais-lui voir que ta ceinture, ce qui te tient tout, la cuirasse et tout ça, fais-lui voir que tu es vrai, que tu as la vérité. La cuirasse de la justice, fais-lui voir que tu as ça. Fais-le voir que tu as l'épée de la parole de Dieu. Fais-le voir que tu as cru en Jésus, que tu as le casque de salut. Que tu ne doutes jamais du salut de Dieu. Et que tu, même que l'ennemi t'apporte un coup mortel dans la tête, tu es protégé par le salut de Jésus. Alléluia. L'Église doit avancer. L'Église doit reconnaître ses faiblesses. L'Église doit reconnaître ce qui ne peut pas arriver. Elle dit, Seigneur, je reconnais que je manque de ça et de ça. Je veux me prosterner devant toi, Seigneur Jésus. Je veux que mon frère Miguel soit rempli à 100%. Je veux que ma sœur Zélie soit remplie à 100%. Je veux que mon frère Antoine soit rempli et vêtu de l'entière armure de Dieu à 100%. Alléluia. Je veux que l'Église de Christ gagne. Je veux que l'Église ne se vide pas, mais qu'elle se remplisse. Et c'est notre combat, frères et sœurs. C'est notre combat. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, il te dit, prie pour ton Église. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Levez-vous de vos chaises, s'il vous plaît. On va prendre un moment d'adoration. J'ai appris dans ma vie à demander au Seigneur. Le Seigneur, il m'a toujours dit, tu ne me déranges pas, mon enfant. Demande. Ouais, mais Seigneur, je vais peut-être te déranger. Non! Seigneur, il attend que ça, que tu vas vers lui. Et tu lui demandes, Seigneur, j'ai le courage. J'ai le courage, Seigneur, de te demander cette chose-là, Seigneur. Je veux te prier pour mon petit frère. Quel est le prix à payer pour mon petit frère, pour ma mère, pour mon père? Le Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Intercède pour lui. Tu veux avoir la victoire dans ta vie sur une certaine chose? Intercède. Fais-lui voir que l'ennemi t'est rempli de l'entièreté de l'armure de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas hypocrites. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est peut-être la nôtre. Qu'on n'a pas les bons éléments dans les mains. Alléluia. Aujourd'hui, je veux. L'Église doit reconnaître de où il manque.
Parce que si l'Église n'est pas bénie, il y a un problème. Si notre vie n'est pas bénie, il y a un problème. Si Jésus veut te donner la liberté, c'est parce que tu as droit de la liberté. Si Jésus veut te guérir, c'est parce que tu as droit à être guéri. Pourquoi tout cela n'arrive pas? C'est parce que l'ennemi te prêche dans ta tête. Il te dit que tu es un lâche. Il te dit que tu ne vaux rien. Il te dit que tu ne peux pas arriver. C'est pas à toi de faire ça, c'est faux. Tu as le droit, je te dis. J'ai appris à gagner dans la vie. J'ai appris à me battre. Quand je suis venu ici en Belgique, j'avais 20 ans, j'avais rien. Je me suis battu dans toutes les sens. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'abandonnerai jamais la France. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont témoins de ce que j'ai passé il y a 2 ans d'ici. Enfin, pas beaucoup le savent. Mais le monde m'est tombé dessus. J'étais à 2 doigts de faire une grosse bêtise. L'ennemi me disait dans la tête, tue cette personne parce qu'il ce qu'il mérite. J'étais à 2 doigts de prendre le choix de le faire ou pas. J'ai perdu énormément d'argent. Beaucoup. Pas à cause de moi. À cause de cette épreuve. Beaucoup d'argent. J'étais à 2 doigts de perdre mes enfants et ma femme. L'ennemi me disait dans la tête, fais justice. Tu ne mérites pas ce qu'ils t'ont fait. Vous savez, la première question qu'on peut se poser, c'est de dire, Seigneur, j'ai toujours été à l'église. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de respectueux. J'aime mes frères, je dis bonjour à tout le monde. Je n'ai pas de problème avec personne. Pourquoi tout cela à moi? C'était lourd. Je marchais dans les rues, je pleurais tout seul. Tellement que la souffrance, elle était énorme. Aujourd'hui, je suis là, frères et sœurs. Je me tiens droit, avec honneur, avec orgueil devant le Seigneur. Parce que l'ennemi n'a pas su m'écraser. Alléluia. Parce qu'il a vu en moi un cœur sincère. Satan, il a vu en moi que j'ai un beau bouclier. Satan, il a vu en moi que j'ai une belle épée. J'ai une grande armure. Je ne me suis jamais, j'ai jamais douté, j'ai jamais donné la faute à Dieu de ce qui m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, sois fait ta volonté. Alléluia. Je t'ai fait confiance. Et Miguel m'a vu dans quel état j'étais. Il ne savait pas trop quoi. Mais moi, j'ai dit, ça va aller. Dieu est avec moi. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Que Dieu m'a béni. Il m'a dit, je vais vous dire quelque chose d'important. J'avais envie de faire justice. Je suis un humain. Vous pouvez me critiquer, juger, je m'en fous. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de pardonner cette personne qui m'a fait autant de mal. J'ai perdu 65 000 euros, je m'en fous des sous. Aujourd'hui, j'ai apporté une victoire dans ma maison. Seulement en élevant le bouclier de la foi.
seulement en attaquant au bon moment avec la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, vous savez comment il m'a maîtrisé, j'avais mon cœur qui était maîtrisé, j'arrivais pas à prouver de la rancune, je sais pas comment on dit, de la haine, j'arrivais pas à prouver des sentiments négatifs. Mon cœur, comme si Dieu me prenait mon cœur et mettait sa main comme ça. J'arrivais pas à réagir charnellement, je n'arrivais pas, comme si Dieu me disait, je te contrôle, toutes ces émotions. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit Dieu? Une parole. Et tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai fermé. Il m'a dit, quand j'étais à la croix et j'ai versé ton sang, j'ai versé mon sang pour toi, est-ce que je te demandais quelque chose? Est-ce que je te demandais à payer quelque chose quand j'ai donné ma vie pour toi? Moi j'ai donné ma vie, me disait Jésus. J'ai donné ma vie pour toi gratuitement. Je ne t'ai rien demandé. Fais le même. Donne ta vie pour la bonne cause. L'amour. Le pardon. Si tu feras comme ça, me disait Seigneur, je te bénirai. Et je peux vous dire que je suis béni. J'ai acheté une maison que je ne devais pas acheter et Dieu me l'a donnée. Je l'ai payé la moitié en comptant. Je ne savais pas où ce qui sortait ce sous-là. J'ai donné une grosse somme d'argent et si je veux, dans 5-6 ans, ma maison est payée. Ben, si ça continue comme ça. Le Seigneur a béni ma femme, mes enfants, mes rentrées, ma vie spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me suis pas plié devant Satan. Parce que je ne me suis pas plié devant l'ennemi. Je me suis plié devant Jésus-Christ. Alléluia. J'ai résisté à ces attaques, à ces épreuves. Et aujourd'hui, Jésus m'a donné la victoire. Jesus. Alléluia. Faites le même. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie. Résiste. Mets en avant ce bouclier. J'ai mon fils qui l'est perdu. Mets en avant ce bouclier. T'as vu, ton fils il est perdu. Il ne vient pas à l'église. Il ne croit pas en Dieu. C'est ta faute de dire Satan. Non! Tu mets un bouclier devant, alléluia. Je sais que mon fils, ma fille, un jour sera sauvée. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur Jésus, alléluia. Ma femme, mon mari, mon église. Je sais qu'un jour il y aura un réveil parce que je plierai les genoux tous les jours et je te demanderai. Et si je dois attendre 21 jours, 30 jours, un an, deux ans pour avoir l'église remplie, je le ferai. Nous devons avoir des buts, frères et sœurs. Quel est notre but? Venir à l'église. Qu'est-ce que veut Dieu de nous? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi, tu fais la cuisine. Toi, tu fais le nettoyage. Toi, tu fais le call center. Toi, tu vas appeler les perdus dehors. Toi, tu t'occupes de l'organisation. Toi, tu fais le pasteur. Toi, tu fais la prophète. Toi, tu fais l'évangéliste. Vous faites tout pour l'unification du corps de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous bénit. La bénédiction descend du ciel. Frères et sœurs, est-ce que nous désirons que l'Église soit bénie? Amen. Est-ce que nous désirons que vraiment la grâce de Dieu remplisse ce lieu? Je sais que Miguel se bat beaucoup pour cela, mais moi aussi. Et le reste aussi, je suppose. Nous devons désirer la présence de Dieu, alléluia. Nous devons lever les mains devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, s'il me manque l'épée, s'il me manque le bouclier, ce soir je te le demande. S'il me manque la ceinture, la cuirasse, le casque, ce soir je te le demande. Alléluia. Venons prier tous ensemble. Lèvons les mains au Seigneur. On va prier un instant. Alléluia. Pendant que la musique continue.
demander au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu remplis. Tu me donnes l'entièreté de l'armure pour pouvoir proclamer avec franchise la parole de Dieu. Pour pouvoir me protéger contre les flèches de l'ennemi avec ce merveilleux nom, ce bouclier de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Seigneur. Feu de Saint-Esprit maintenant. Remplis l'Église, Seigneur Jésus. Tu es sans rival. Tous ensemble. La victoire est dans le nom de Jésus, alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus, alléluia. Acclamons le Seigneur tous ensemble, Jesus. Oh! Maintenant, on va prier tous ensemble, alléluia. Et si tu désires vraiment être rempli de cette armure de Dieu, si tu désires vraiment avec sincérité, je te mets à défi aujourd'hui. Si tu désires vraiment cette armure, mais la complète, pas en partie. Le Seigneur aujourd'hui veut te compléter en 100%. Si tu désires vraiment cette armure, lève la main avec moi, on va prier tous ensemble, alléluia. Jesus. Si tu as des problèmes, tu rencontres des problèmes, dis Seigneur, je suis un peu timide, je n'ai pas le courage de pouvoir attaquer. Eh bien, on va prier pour l'épée. Seigneur, moi, des fois, ma foi, il chancelle. Il bascule. Seigneur, je voudrais un bouclier, pas de carton, mais de fer. On va prier pour cela. Seigneur, je veux une cuirasse de justice. Je veux jamais douter du salut. Le casque. Je veux mettre les chaussures pour pouvoir annoncer l'évangile. Et si tu ressens cette prière réellement, lève la main avec moi, on va prier tous ensemble, Jésus. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous les frères et sœurs qui sont, les amis qui sont ici, Seigneur, pour la première fois qui demandent. Une église doit être un groupe de soldats, une armée de soldats.
et on ne peut pas y aller en guerre si on n'a pas les bonnes armes, les bonnes outils. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont levé la main avec foi, Seigneur, qui désirent réellement d'être remplis de l'entièreté, de l'entière armure de Dieu, alléluia. Seigneur, je désire, frères et sœurs, donne-nous vraiment cet uniforme afin que Satan puisse reconnaître l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Afin que Satan puisse trembler devant nous parce que nous avons Jésus-Christ. Afin que Satan puisse fuir devant nous parce que nous l'avons fait face. Nous avons résisté dans le jour mauvais. Toutes les puissances démoniaques, toutes les principautés, tous les esprits mauvais, ô Seigneur, avec l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, nous l'avons chassé dans le nom de Jésus. Alléluia. Habille-nous, Seigneur, de tes vêtements. Habille-nous, Seigneur, de ton armure. Je te prie, Papa, pour tous ceux qui désirent cela, Seigneur Jésus. Une délivrance totale dans le nom de Jésus. Une nouvelle intelligence. Que tes pensées soient régénérées dans le nom de Jésus. Alléluia. Et même toi qui tu écoutes, tu souffres. Ce soir, Dieu, ce soir, veut mettre fin à tes souffrances. Si tu le crois, dit Jésus, ce soir, Dieu peut te délivrer. Esprit de Dieu, sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Ressentez la vague de l'amour. Ressentez la vague de l'amour dans le nom de Jésus maintenant. Ressentez la paix. La paix. Reçois la paix dans le nom de Jésus maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Reçois le courage que tu as besoin. Cette rage d'aller en guerre. Reçois un esprit de peur dehors dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je proclame le courage. Alléluia. Maladie dehors dans le nom de Jésus. Alléluia. Je proclame la guérison dans ta vie. Alléluia. Digne de
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la parole qui a donné Sephora et c'est pour elle ou pour lui? Je savais que c'était pour toi. Viens ici. N'aie pas peur. Mets-toi ici. Prends ton copain. Je ne sais pas si c'est ton copain. Mets-toi là. J'attendais que Dieu faisait son œuvre et il a utilisé un enfant pur. Je savais que c'était pour toi. Et je n'ai rien voulu dire. Et Dieu a confirmé à travers Sephora que Dieu te bénisse, Sephora. Tu m'as touché. Waouh, comme il annonce l'évangile, c'est bien. Et maintenant, on va prier. Jesus, viens avec moi. On va prier. C'est comment ton prénom? Harmonie? Ok. Harmonie. Fais une belle harmonie, Miguel, pour nous tous. Alléluia. Tu vois que Dieu a révélé le secret de ton cœur. Maintenant, moi et Sephora, on va prier ensemble pour toi. Que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir s'en sortir de tous ces problèmes. J'ai vu que tout à l'heure, tu es sorti, tu ne te sentais pas bien. Mais Dieu voit ton cœur. Approchez un tout petit peu, mettez-vous ici. Alléluia. Dieu voit ton cœur et Dieu, il t'aime. Peu importe ce que tu as fait, Dieu ne te juge pas. Même si tu m'as dit j'ai touché à la drogue, ça me fait rien. Même si tu me dis j'ai fait les pires choses de ce monde, je te jugerai jamais. Parce que Dieu t'aime. Je sais c'est quoi le passé. Je sais c'est quoi être dans les problèmes, au fond du trou. Aujourd'hui, je peux te dire que Jésus est là pour toi. Et il veut te bénir. Si Dieu t'a ramené ici, pas pour voir un spectacle, c'est parce que Dieu t'aime. Et aujourd'hui, tu es arrivé au croisement. Tu es arrivé au carrefour où ce que Dieu te demande de choisir, ou à droite ou à gauche. Et Dieu s'est servi de Sephora, une petite jeune fille, pour t'appeler. Et toi, j'ai vu dans la louange quelqu'un qui souffrait. Oui, Jésus veut mettre fin à tes souffrances. Est-ce que tu le crois? On va prier tous ensemble. Levons les mains vers Harmonie, alléluia. Prions pour elle, alléluia. Jesus, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cette jeune fille, Seigneur, qu'il est devant moi, Seigneur, alléluia. Jesus, Seigneur, tu la touches dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, tu vois ces problèmes, Seigneur. Ce fond de trou, Seigneur, qui ne s'en sort pas, Seigneur Jésus, alléluia. Aujourd'hui, tu l'as ramené ici, Seigneur, parce qu'il a décidé de te croire, Seigneur Jésus, alléluia. Il a décidé de te faire confiance, alléluia. Il a dit, stop! Je ne veux plus souffrir sous les mains du diable du monde. Seigneur Jésus, Seigneur, touche-la. Reçois la paix dans le nom de Jésus maintenant. Délivrance totale. Je te délivre dans le nom de Jésus de toutes les mal que tu as. Je te délivre dans le nom de Jésus de toute mal qui te lie ta vie. Alléluia. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Harmonie. Ressens la paix de Dieu. Alléluia. Ressens la justice de Dieu. Alléluia. Ressens que Dieu t'aime. Alléluia. Jésus, alléluia. Reçois l'amour, alléluia, Jésus. Reçois cette délivrance, Seigneur. Je brise tout lien, Seigneur. Je les brise dans le nom de Jésus, alléluia. Harmonie appartient à Jésus ce soir. Harmonie appartient à Jésus ce soir, alléluia. Sa famille, s'il a des enfants, Seigneur, appartiennent à Jésus, alléluia. Son état émotionnel appartient à Jésus. Son cœur appartient à Jésus. Et tu la délivres, Seigneur. Son copain aussi, Seigneur. Tu le bénis, Seigneur. Tu remplis son cœur, Seigneur. Tu lui donnes la paix, la joie, Seigneur. Le courage, Seigneur, de pouvoir se battre et de supporter, Seigneur. D'aimer en toutes circonstances. De pardonner. D'aimer sans cesse. Remplis-les, Seigneur, ce couple, remplis-les.
dans le nom de Jésus. Amen. Je suis à toi. Tu peux le faire un câlin. La gloire à Dieu, alléluia. Jesus, alléluia. Jésus, chante ensemble. Tout à toi.